3rd, 2019, in the Senegalese capital, Dakar, I publicly announcing my support unconditionally to Umaro Sissoco Embaló, the candidate of MADEM G15 that passed to the second round the presidential election in Guinea-Bissau. Allow me to say that I did receive 2 letters from the PIJC party and the candidate from MADEM G15 asking for my support in the second round. Merci beaucoup, Monsieur le Président Nuno Nabiam, pour cette support qui vient d'annoncer à ma personne, à mon égard, que je pense aussi au peuple bissau-guinéen. Et également au président du parti historique, le pionnier de la démocratie bissau-guinéenne, le PRS Alberto Mboune, Nambéa, et également le président de mon parti, Ibrahima Kamara. Et mes chers journalistes, je vais vous dire que aujourd'hui, comme vous le savez, les élections, c'est statistique. S'il y a un support de TAI, la 3e position, plus le PRS, plus mon parti, et la 4e position, le 5e, c'est-à-dire que on a gagné les élections en Guinée-Bissau. Je vais vous dire une chose, et Monsieur le Président Nuno Nabiam, que cette victoire, c'est la victoire du peuple bissau-guinéen. Ce n'est pas ma victoire, moi seul. Je serai élu, c'est vrai, mais nous serons toujours ensemble, avec tout le monde, pour bâtir la nouvelle Guinée-Bissau. Nous sommes une génération qui veut voir Guinée-Bissau dans la paix. Je suis un candidat de concorde nationale. Et je suis ému. Je ne pourrai pas beaucoup vous prendre vos temps. Je vous remercie. Et puis, on va finir pour signature d'un accord, un protocole, avec mon frère, le président Nuno Nabiam. Je pense que, pour témoigner, cet accord devant vous,